Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment mettre la musique sur iTunes puis dans votre iPhone ou iPad ou iPod. Bon, d'abord vous ouvrez YouTube pour choisir la chanson, par exemple Lil Wayne Like a Man. Bon, recherchez la chanson, copiez le lien. Bon, on va copier le lien. Après, vous ouvrez le site Convert to MP3 ou MP3. Alors, on va vous donner le site. Vous allez trouver ce site dans la description ci-dessous. Bon, vous mettez le lien de la chanson qui se trouve sur YouTube. Après, vous choisissez Audio, MP3 comme ça. Et cliquez sur Convert. Bon, patientez un peu. Maintenant, cliquez sur Continue, Download. Et comme vous voyez, la chanson est en cours de téléchargement. Alors maintenant, on va rechercher comme exemple l'affiche de cette chanson. Lil Wayne, Like a Man, Cover. Ça veut dire la couverture de la chanson. Bon, voilà une couverture qu'on va choisir pour donner une beauté à ce fichier dans notre iPhone. Bon, déplacez maintenant le fichier MP3 dans le desktop ou le bureau de votre Mac ou au PC. Vous ouvrez iTunes. Maintenant, cliquez comme ça. Après, Open with iTunes ou Ouvrir avec iTunes. Bon, comme vous voyez, voilà la chanson. On va cliquer sur cette icône. Après, Song Info. On va choisir l'artwork qu'on a téléchargé. Bon, on va rechercher ici. Et comme vous voyez, voilà l'artwork ou l'affiche. Maintenant, il vous suffit de brancher votre smartphone avec l'ordinateur ou le Mac comme ça. Patientez un peu. Après, cliquez encore ici et vous choisissez l'iPhone. Alors, comme vous voyez, Add to device ou ajouter sur appareil. Comme vous voyez, voilà mon iPhone. Bon, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager au maximum avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne Shmoney Geek et merci beaucoup pour nos chers fans.